Bonsoir. Bienvenue pour la suite de Star Factory. La dernière fois, on avait fait une heure de plus parce qu'on avait eu un raid de guild juste avant que je coupe le stream. Donc on a pu faire plus de choses de prévu. Que prévu, pardon. Et du coup, ce soir, on va commencer à poser d'autres automatisations qu'on peut faire depuis un petit moment mais qu'on n'a pas posé. Là, je pense que ce soir, on va se focus pour les poser étant donné qu'on a notre base. Voilà, heureux aux personnes d'ailleurs qui étaient là cet après-midi. On était sur Epic Explorer avec monsieur Gemou. Merci Noror pour le 41e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Je vais attendre un SMS. On verra plus tard si je le reçois. Clic. Alors, est-ce que ça va s'afficher le jeu ou pas? Ok, il fait jour dans le jeu, c'est bon. Nice. Ok, on avait fait ça juste avant de couper le stream. Et j'ai rajouté ça. J'ai rajouté des arches au milieu. Plus quelques pavés. Donc de la brique qui se connecte avec les différentes structures. Ici et là. Bien que là, on peut pas vraiment mettre de briques. Parce que bah, les blocs ici obligatoires, c'est des marble arches. Mais bon, en soi, ça va. D'ailleurs, j'ai pas vérifié là-bas. Ça a dû se split encore. Même pas. Ok, bon. Ça s'est pas split. J'en ai récupéré quelques-uns ici de split. Et ici, ce sont ceux qui sont full. On va pouvoir utiliser en fin de compte pour les binder. Mais avant qu'on s'en occupe, on va automatiser le basique. On va enlever tous les bookmarks. Et on va automatiser le basique. Non, je suis pas sur serveur. Le basique à automatiser, ça va être de se générer beaucoup d'énergie. Avec les overclocks. On va s'en faire 4, je dirais. Et il va nous falloir un petit peu plus de lapis du coup. Hein. On va se faire les 4. Yes, il va falloir qu'on se fasse ça. Donc on est parti. Il va nous falloir le bloc. Et du coup, 6 lanternes. C'est-à-dire ça. J'ai une 6 lanterne, donc c'est parti. Et ça, c'était aquamarine et ce bloc-là. Enfin, cet item-là. On va être capable de le faire. Clac. Aquamarine. Merci pour les vidéos et les streams. Merci à toi. Dans Cross, de les regarder. Merci pour le 9e mois d'abonnement. C'est trop cher de faire des egg meal, c'est ça? Hein? De quoi tu parles? Mais les egg meal, c'est pas de l'énergie? C'est du GP? C'est pour faire tourner les machines. Ça, c'est pour générer du RF que j'ai besoin pour faire tourner ces machines-là. C'est pas la même énergie, en fait. Parce que le Dragon Egg Meal, il est en dessous déjà. Hein. On l'a crafté hier. Et en fait, là, maintenant, en GP, j'ai 564 GP. De dispo pour moi. Mais ouais, non, on parle de RF, là. Hein. Il va nous falloir des RF Heating Coil. Où est-ce que j'ai installé ça? Ici. On va peut-être se refaire des upgrades d'ailleurs. Maintenant qu'on a pas mal de GP, on devrait être capable de se faire plaisir. Voilà, 4. Tiens, je peux pas aller au-delà de 4 pour l'instant, donc ça ira très bien. J'ai rangé un truc qui était là. Je sais pas ce que c'est. Si j'en ai besoin, je le retrouverai. Ça doit être ma wand d'ailleurs que j'ai rangé. Bon, de toute façon, j'en ai pas besoin de ma wand pour le moment. Je vais avoir besoin de ces trucs là. Yes. Du souti marble. Va falloir qu'on s'en refasse de ça. Oh, j'en ai un peu. Ça va, ça va. Alors, on peut s'en refaire. Hein. Ça, le souti marble. Pareil, ça va être quelque chose que je vais devoir automatiser assez rapidos. Et le rune marble. Ok. Ah oui, du coup, faut que je me fasse mes machines aussi. Mes petits machine blocks. Et machine blocks, c'est du chisel de marble. Là, on peut s'en faire 3. C'est très bien, j'en ai un 4e ici. Donc, ce sera suffisant, ça. 12. Avec de l'aquamarine. On va récupérer ce qu'il y a là. Les automatisations de ces deux... Non, tu me diras...
Je les ai stockés là, je crois. Voilà. Les automatisations de ces trucs-là, elles sont coupées pour le moment. On les relancera après. Ce truc-là, j'en ai sur moi. J'ai ce qu'il faut. Et du coup, redstone. Hein. Tic. Blanche. Je crois bien qu'il va me falloir un autre stick. Les 3, let's go. Ah mais ça m'en fait plusieurs. Bah écoute, c'est quoi, je l'ai fait les 12. J'en ai pas besoin d'autant, mais je les aurai pour plus tard. Ah puis en plus je range les 3, super. Tiens. On peut l'enlever. Ça on peut enlever. Tac. Oh, c'est en retard. Je ne sais pas pour le moment, sur Star Factory, es-tu déjà mort? Non. Et du coup, je suis en train de faire le nécessaire pour avoir des overclock générateurs, avoir beaucoup de RF tout de suite. Dispo via le wireless RF battery pour pouvoir alimenter ces machines là parce que je vais en avoir besoin pour automatiser certains process, notamment du coup grinder le quartz pour avoir le marbre pour avoir du sable, grinder ça pour avoir de la neige et derrière avoir de la bonne mille, grinder ça pour avoir du papier et grinder ça pour avoir du coup de la poudre qu'on pourra transformer en glowstone. L'idée c'est d'avoir de la glowstone automatique, de tout farmer passivement, finalement, ça va être l'objectif. On va prendre ça. Chisel. Ok. Et donc là, il va nous manquer. Ouais, les RF coils. Donc ça, c'est du Iron Bar. Que j'ai pas envoyé. Tiens. Oui, ça se stack pas. Ah là, on est bien. On dit, il m'en faut que 3. Yes. Ah, j'en ai plus sur moi. Tiens. Alors, furnace générateur. Furnace générateur. Et furnace générateur. Pour ensuite avoir celui-là. L'overclock. Les 3, impec. On va clater ça. Pour l'instant, le RF, on s'en sert pas du tout. Donc, on re-récupère ça. On re-récupère ça et ça. Alors, on rebouche le tout. Ça, je pense que je vais pouvoir l'envoyer directement sur les... Oh, peut-être pas sur les 4. Non, je vais peut-être pas pouvoir l'envoyer sur les 4. Parce qu'en fait, lui, il faut qu'il soit entre les 4. Donc non, ouais, il va me falloir plus d'items sur le 14. C'est pas grave. J'en ai 6. Ah bah, j'en ai 16. Très bien. Glowstone. 4. On est bon. Et pour l'énergie, je pense que je vais mettre ça... C'est pas terrible de le mettre ici, en vrai. Peut-être le mettre tout au fond, ici. Peut-être le mettre là, ouais. Donc l'idée, c'est d'avoir lui ici. D'avoir les items translocator là. Glowstone. Pour extraire le plus vite possible. Ensuite, on va avoir nos overclocks. Et enfin, lui, on va pouvoir le mettre là. Donc, il va recevoir l'énergie des 4, là. Je vais pouvoir leur mettre des speed upgrades aussi, vu que j'ai la blinde de GP.
Je vais peut-être me faire aussi ce qui est demandé là. C'est la dernière quête à faire de cette page. Ça demande juste une Nether Star. Je sais pas si j'en avais gardé une Nether Star. De côté. Ça a pas l'air. Non. Je vais m'en refaire une. Parce que je sais pas si... là-bas, ce sera suffisamment chargé si je me déplace par là-bas, par exemple. Normalement, oui, hein, mais dans le doute, je vais quand même mettre un... Chunk Loader. Ouais, je le mettrai directement dessus. Je vais quand même le faire. Étant donné que c'est une quête, donc autant le faire. Et comme ça, j'ai la certitude que c'est chargé et qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Donc il me faut ça. J'en ai plus de ça, faut que j'en récupère là-bas. Salut Vio. Et salut Gildav. Non. Ça c'est bon. Ah, il me faut quoi, ce truc là avec glowstone? Voilà, on est bon. Nice. Ouais, c'est bon, j'ai assez de redstone. Et une perle. Trois sticks? Non, un peu plus. Voilà. Chunk Loaded World, ça termine le chapitre des tips. Et on pose là. Comme le dial, ça sert à rien parce que c'est... on le voit, donc c'est chargé. Mais au moins il est fait. Ok. Maintenant que l'énergie s'est fait, on pourra... alimenter nos machines comme on en a envie. Il faut juste des RF transmetteurs pour alimenter nos machines. Je vais m'en faire quelques-uns de ces trucs-là. Donc c'est du stone burn. Bon, je vais m'en faire au max de ce que je peux avec ça. Tac. Voilà, 27. Je pense que ce sera suffisant pour tout le reste de la série. Enfin, je dis ça peut-être pas, hein, on verra. Hein. Mais là, on sera bien pendant un moment. Donc oui, il faut que je leur mette du speed upgrade. Il faut d'abord que je me refasse de la redstone. Ça va être ces trucs là. Tu l'as pas cassé? Si, tu l'as cassé. Nice. Je pense que non. Je pense aussi que non. Bien que, comme dit, on verra. Je regarde si on m'a répondu. Non. Voilà. J'ai mes blocs. J'ai mes lingots. Let's go. Boom.
Full speed, full speed, full speed, full speed. Voilà, là on est bien. Là on est très bien. On stocke ça. Faudra s'en refaire de ça, mais bon, pas tout de suite. On verra plus tard. On a le time. Là-dedans, il n'y a rien. Non, là-dedans, il n'y a rien. Je vais virer ça. Je les remettrai après. Et donc maintenant, on va devoir automatiser ce qu'on a déjà crafté ici. Voilà, des choses simples. Donc on va devoir remettre la comarine, l'enderpearl en autocraft. On n'y touche pas, ça se farm. Avec du coup le stockage infini, hein, comme on avait dit. Il va falloir qu'on se fasse également de l'iron. Je sais pas où il est l'iron d'ailleurs là-dedans. Il est pas là. Ah, mais il est là. Hop. On va se faire de l'iron. Du coup, on va se faire du gold dust et de l'iron dust. Pour se faire la glowstone, du stardust. Ensuite, on va devoir se faire de la redstone. On va devoir crafter ça et ça. Ça, il faut qu'on s'en refasse. Donc, ça va être ça qu'on va devoir faire. Pour l'instant, c'est pas mal. Pas mal, tout ce qu'on a bookmark. Il y a tout ça à faire. Tu as vu Nintendo finalement? Ouais, j'ai vu. Ça fait bizarre quand même la... les trucs en biais, mais bon. En soi, ça passe. Hein. Alors. Je reprends ça. On va se refaire nos drawers custom. Et drawers custom. Ça va être ça. Sur l'extérieur. Avec le souti. Marble. Boom. On s'en fait 6, comme ça on est bien. Et donc là, automatisation de l'aquamarine, c'est du. Comment, de la glace et du marbre. Glace, marbre. Avec le Mechanical Crafter. Et on va utiliser. On dira. Ce serait peut-être bien qu'on utilise ça finalement pour réextraire là-dedans. Ah ouais, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Chiant. Merci Liluan pour le 47e mois Prime. Merci à toi. En fait, je voulais utiliser ça pour envoyer les items là-dedans. Sauf que si je lui mets le fameux upgrade infini qu'on a fait ici, une fois qu'il a dépassé le stock limite, il va plus envoyer les items. C'est le problème qu'on a. Genre là, si je donne un exemple. Le maximum d'upgrade qu'on va pouvoir avoir là-dedans, ça va être 512. Je peux pas mettre d'autres enderpearls dedans, c'est pas possible, ok? Donc là, si je fais ça et ça, et que je fais ça, en 4 stacks, il n'y a pas de problème pour me les mettre, hein? No problemo là-dessus. Par contre, si je lui mets ça, il le met plus. Si j'enlève, il me met plus rien. Il aime pas du tout le fait que je lui donne un upgrade ici. Si je l'enlève, bah je peux même pas l'enlever en fait. Une fois qu'il est posé, il est posé. Super. Et si je le casse, ah mais non. C'est posé là-dedans et basta. Bon, j'en ai perdu un au total. Parce que je vais probablement pas me servir de ce drawer là. Mais ouais, du coup, c'est dommage, on peut pas s'en servir avec ça. Ouais, ouais, il y a le drawer contrôleur, ouais. Mais le drawer contrôleur, ça change rien. Vis-à-vis du problème que j'ai avec ça, en fait. Ça, les items translocateurs avec les drawers, ce problème existe depuis des années, parce que j'ai ce problème depuis même Projectozone 3. Même le 2, je l'avais le problème. Non, je crois que c'était le 3. Moi, je crois que c'était le 3 que j'avais le problème. Si tu reset le trans... non mais ça change rien. Ça change rien. Vous voyez? Je viens de le vider. Je viens de les reposer. Ils sont tout frais. Ça change rien. Il y a un upgrade. Il aime pas. C'est dead. Si je mets un void, ça marche. Et encore, je suis même pas sûr que si je mets un void, ça marche. Hein. On va tester avec le void, tiens. Mais dans l'idée, je vais pas utiliser les translocateurs pour envoyer les items là-dedans. Je vais devoir utiliser ça. Avec des speed upgrades. Pour extraire assez rapidement.
Obsidienne. Là. Donc là. Attends, il faut que j'ai un chest. Un chest. Non, un chest. Yes. Donc là, on fait pareil, hein. Ok. On lui demande d'insérer les items là-dedans. On va récupérer ça. Donc là, 2048, c'est le max, hein. Je peux pas en mettre plus. Si je lui donne ça, évidemment que si je prends un stack, il me le remet dedans. No problemo. Par contre, si je lui mets le Void Upgrade, est-ce qu'il va les mettre dedans? Non, il les met pas dedans. Et du coup, les items restent là. Et si j'enlève un stack, c'est le même deal. Il me les remet pas. Dès qu'il a le Void et dès qu'il a cet upgrade là, les drawers, c'est kaput, ça marche plus. Par contre, si je mets un drawer neutre ou que je le lock, pas de problème. Et si je mets un upgrade, je crois, classique, ça fonctionne. Mais ouais, là, il veut pas. C'est un peu naze. Donc ouais, en ce locator, c'est rip. Vis-à-vis de ça, en tout cas, c'est rip. Je vais récupérer les doublons qu'il y a ici. On va continuer à dupliquer ça, hein. C'est bon, hein. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, ces autocrafts-là... Donc, ouais, il va falloir que je récupère du speed avec ça et ça. Et on va probablement se mettre quelque part par là, hein. Ouais. Bien, je peux peut-être mettre ça au sol et avoir ça surélevé de 1. Ah, c'est pas très joli d'avoir ça surélevé de 1. Si je mets ça comme ça. Ça ici. Pas fan. Ah, lui, je peux le mettre au sol avec ça. Non, ce serait bien de l'avoir à la surface, ça. Je fais ça et ça avec lui. Et qu'au final, lui, je fasse ça. Ça. Du coup, speed. Ah. Non. Oui. Ça le fait. Je mets l'upgrade ici. Et on va aller vider ça. Je sais pas d'où ça vient le problème. Peut-être parce que le translocator lit les slots, lit ces slots là. Et à partir du moment où t'as un item ici... Ah, c'est peut-être ça l'idée, hein. Attends, fais voir. Je vais retester un truc. Je pense pas, hein, que ce soit ça, mais bon. Comme dit, si ça se trouve, le translocator lit cette place-là et il se dit « Ok, il n'y a pas de place. » Peut-être. Donc là, si je lui donne... Il le met pas. Si je l'enlève, il le met. Ok. Maintenant, si je te le mets au fond. Non. S'en bat les steaks. C'est nul. Retenons ça. C'est nul. Ok. Donc là, on a notre aquamarine. Alors, l'idée, c'est que ça crafte pas très vite parce qu'il n'y a pas de speed upgrade. Et comme dit, on va en profiter pour en faire la blinde de speed upgrade. Comme ça, on va accélérer absolument tous les crafts. Et on sera bien.
J'ai un stack de redstone. Mais bien sûr que j'ai un stack de redstone. C'est un bloc de redstone. Ah. Ah bon, on va les faire petit à petit, hein. On va peut-être pas faire autant de choses. Et du coup, c'est pas bloc de redstone, c'est... Ah si, c'est bloc de redstone, mais c'est lingot. D'or, ok. Calme-toi alors. On va faire ça déjà, ce sera pas mal. Range ça là-dedans. Récupère tous tes speeds. Et donc toi, speed upgrade. Voilà, c'est la vitesse à laquelle je le craft ce truc là. Ça tient la cadence. Donc c'est bien, c'est très bien. Ça on peut l'enlever, on va faire Underpearl maintenant. J'ai tout sur moi pour Underpearl. Sauf ça, le Mechanical Crafter, il va falloir qu'on s'en refasse quelques-uns. Et donc pareil, je vais le mettre ici lui. Pourquoi tu refais tes automatisations d'items que tu avais fait de base? C'est peut-être parce que je les ai plus ces automatisations. J'ai tout enlevé pour faire ma base, donc maintenant on les refait. Sauf que là ça va être les spots définitifs, on n'y touche plus à ça. Là on a les beaux drawers, c'est plaisir. On va lock d'ailleurs tout ça. Lui je l'avais pas lock, d'ailleurs j'ai vidé le compacting drawer que j'avais la dernière fois. Et je pense pas qu'on mettra de void. Donc ça c'est glass et gold. Très bien. Ça malheureusement je peux pas enlever ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de trash can donc. Ça dégage. Ok, ça c'est fait. Maintenant l'iron c'est envoyer du gold dans du liquide starlight. On va se faire ça par là. On va mettre ça ici. Est-ce que j'avais gardé... espèce de jarre où je l'ai pas refait. Ouais, je l'ai pas refait. Hein. J'avais fait ma clé, mais je l'avais pas refait. C'est Jug que ça s'appelle? Non. Ça s'appelle... le Radiant Amphora. Ok. Yes. Voilà. Et ça, on va faire un petit shift-click en bas. Voilà. Comme ça, j'ai tout le temps accès à mon liquide Starlight. Et on est bien. Donc là, il va falloir qu'on fasse des droppers et qu'on récupère des items collector. Est-ce que comme tu as vidé le drawer avec l'upgrade créatif, tu peux la retirer? Non, malheureusement, c'est l'item créatif. C'est pareil que le vending upgrade. C'est une fois qu'il est posé dans le drawer, t'es obligé d'être en mode créatif pour l'enlever. Salut Frilo, t'as pas loupé grand chose. On est en train de réinstaller les automatisations qu'on avait déjà fait au début du pack. Donc là, j'ai réinstallé l'aquamarine, Enderpearl, sauf qu'on a mis les jolis drawers avec les upgrades créatives. Pour qu'on en ait tout le temps. Quand on commencera à faire la redstone, il faudra qu'on réinstalle les radiants résonateurs là-bas. Et en fait, j'ai un setup là qu'on va dupliquer là.
Mais je vais probablement devoir faire un troisième setup parce que il y en a un qu'il faut que je... Ouais, je sais plus exactement, mais il y en a un qu'il faut que je transforme en poudre pour avoir la redstone. Il y en a un qu'il faut que je transforme comme ça. Donc il faut que je le fasse en bloc d'abord. Comme ça. Pour ensuite avoir ça. Pour ensuite avoir ça. Et également les blocs. Puisque les blocs, ça me servira pour la Nether Star. Donc il faut que je fasse 3 setups comme ça pour être peinard. Overkill, mais bon, on aime bien l'overkill. Dégage tout ça. Ça aussi, ça peut dégager. Donc oui. Item collector. Il faut que je fasse des advances hein, par contre, pour pouvoir les filtrer. Par contre, les filtres là-dessus, c'est un papier, ouais. Du coup, c'est du colorant jaune. Avec du papier. Ok. L'advancé redstone torch. Ok, glowstone. Voilà. Bonsoir, Erwin Max. Alors, dropper, on a le dropper de Minecraft et le dropper de Random Things. Je pense qu'on va faire celui de Random Things. Je vais en faire quelques-uns parce que... Il y aura probablement plusieurs setups où il faudra dropper des trucs. Et ça, je peux le pointer vers le bas. Ouais, je peux le pointer vers le bas. Ok, on peut le contrôler. Nice. Donc, on va faire ça. L'idée, c'est qu'on va devoir se refaire un drawer, enfin un barrel de gold. On va reprendre du bois. Le petit barrel de gold, il est là. Les items vont être droppés là-dessus. Probablement que je me mette... chercher des blocs pour travailler parce que là, on va pas s'en sortir sinon. Un shift click mais j'ai pas besoin d'autant. C'est le petit Jean. Et bonsoir Onyx Street, Zediax. Écoute, ça va et toi? On va le mettre ici. Oh là là, donne. Si je veux, pareil, me dépêcher sur le drop. J'espère que lui tiendra la route. On va mettre ça ici. Comme ça. Avec un filtre, mais filtre pour le fer. Prendre tout le fer d'ailleurs que j'ai. Ah c'est bon. Merci Silarion. Les 6 mois d'avance. Nice. Oh tiens d'ailleurs ça me fait penser, j'ai reçu un mail de Twitch comme quoi les subs sur mobile actuellement coûtent moins cher qu'un sub normal sur le site. Sauf que les subs sur mobile vont coûter 6,49€ à partir du 1er octobre. Donc si vous voulez payer moins cher un sub, bah ce sera sur le PC qu'il faudra le prendre, sur navigateur et pas sur les applications. Donc évitez de prendre un sub sur le navigateur, enfin sur le navigateur pardon, sur les applications. Prenez-le directement sur votre navigateur, ça coûtera moins cher. Check meta, check NBT. Ouais. Le fer c'est bon. Donc si je te drop ça, t'en fous. Si je te drop ça, yes.
On est bon. Ils se régalent sur les prix mobiles. C'est pas eux qui se régalent, c'est les applications qui se régalent. Ils doivent payer leur application pour pouvoir faire les subs. C'est ça, ouais, c'est Android et Apple qui prennent une marge. Plus évidemment celle de Twitch. Mais dans l'idée, je vous déconseille d'acheter sur mobile. Je vais directement le mettre comme ça, lui, en vrai. En faisant ça. Ça le fait ou pas? Il reçoit ça. 5 ticks délai. No pick-up délai. 5 ticks délai. Eject continuously while powered. Eject continuously. Ouais, voilà. En vrai, ça marche très bien si je fais ça. Ah, nice. Merci Nekidia pour le 14e mois Prime. Merci beaucoup. Ouais, le petit setup comme ça, il marche bien. J'ai des trappes d'or sympathiques. Non, j'ai que des trappes d'or en bois. Bah écoute, ça restera comme ça. Je peux pas refaire d'autres speed upgrade, hein, on est d'accord. Ah si, vas-y. Pas utiliser toute la redstone non plus. Il en reste 22, c'est pareil. Zou. Ah bah oui, non mais drop pas... Qu'il est con ce régis, ça. Voilà. L'iron, on en a, en veux-tu, en voilà, c'est bien. Maintenant, faut qu'on fasse la poudre de gold. Et la poudre gold va pas nous servir à grand chose. À part la transformer directement en glowstone. Donc on va installer le crusher. Et on va installer ça ici. Et pareil, on va refaire un trou. Alors on va mettre là. Ok. Nice. On va avoir besoin d'un autre barrel infini. J'ai suffisamment de coffres sur moi? Non. Là, c'est bien. Là, j'ai du coffre. Donc, il nous faut ça. Direction le crusher. Avec ça. Et là, pour le coup, comment on va installer ça proprement? Il faudrait qu'il y ait le crusher là. Non, pas ici, justement. Si je fais le même setup que lui, il faut que je fasse ça. La seule différence, c'est qu'il va falloir que je fasse la vrange pour pas qu'il se connecte là. Ou alors, vu que le crusher va pas forcément aller ultra vite pour faire les crafts, peut-être que dans ce cas-là... Ça se suffira. Et alors récupère ça avec toi. Ils sont où? Ils sont là. Faut que je regarde si ça suffit. Moi, ça suffit en termes de vitesse. Ok. Et du coup, vu que ça suffit en termes de vitesse, on va également pouvoir faire ça. Non.
Voilà. Tu me diras, c'est parce qu'il reçoit que 80 à RF par tick. Hein. Si je t'en mets 2, si je t'en mets 3. Si je t'en mets 3, t'es stable. On va laisser sur 3 alors. Ok. On veut ça. Ça va être glowstone ici. Je vais te demander s'il existe un script pour modifier la destination de la porte des étoiles de Stargate. Exemple, qui mène dans le Nether ou dans l'endroit, dans l'End. Déjà, je sais pas de quel mode tu parles, de quelle version tu parles. Donc malheureusement, je vais pas pouvoir t'aider plus que ça. Et j'ai jamais touché au mode de Stargate. Donc j'avoue que je ne sais pas. Continuously. Si on voudra les rendre plus rapides, les machines, il faudra plus de RF du coup plus tard. Ça paraît si mou. Mais c'est automatisé au moins. Et ça, la glowstone, on en a besoin. Pour divers crafts. Colorant, non, certainement pas. Ouais, pour divers crafts. Principalement pour les blocs de glowstone, quoi. Fais quoi depuis hier soir in-game? J'ai réinstallé ça, ça et ça. J'ai réinstallé des automatisations. Oh, il s'est pas split lui. Lui s'est split. Et j'ai fait des arches ici. C'est tout. Donc ça c'est fait. On va maintenant faire l'Iron Dust. Bon, l'Iron Dust c'est juste un crusher. En soi, ça va. Faut juste le refaire, le crusher, du coup. Hey. Stick, marbre. Ok. Me faire un stack de ça. Hein. Ça se stack. Il va y avoir tellement de petites bestioles comme ça. Dommage qu'il fasse pas tous les crafts en même temps. Ok, merci. Alors. Faudra du Stardust. Du marble comme ça. Du pilar. En faire 3. Comme ça, on est bien. Stocker le fer là-bas. Donc quand on voudra aller choper une ressource spécifique, il faudra se déplacer vers les drawers. C'est peut-être chiant, mais c'est comme ça qu'on fera.
Donc là, j'ai pas besoin de trous pour pouvoir récupérer l'item. Je vais juste avoir besoin. Bien que l'iron dust, si, je vais quand même avoir besoin du trou. En fait, il faut que je refasse ça. Là, mais avec un crusher en plus. Ça me fait penser. Je vais sûrement réduire ça. Ah, ça suffit. Ok. Mon drawer de gold. Diagonale ? Ouais, diagonale. Là. Donc là, on va revouloir ça. Ok, ça. Il y aura probablement un autre stockage d'iron. Parce que... Parce que si j'essaie de tout mettre dans le crusher, ça passera pas. Que si je mets ça ici, ça les items drop quand même ou pas? Ouais, ça drop quand même, c'est bien. J'en veux pas, s'il te plaît. Ok. Pareil, je vais lui mettre un infini. On va mettre ça comme ça. Ça ici, crusher. Que ouais, là la pousse, j'ai besoin de la transformer en fait, j'ai pas besoin de la garder. Ah, faut que je fasse ça autrement en fait. Ok, arrête-toi. Comment on pose ça propre? On récupère ça. Je fasse deux trous en fait hein. Un autre trou là. Donc ouais, lui il continue de récupérer le fer, très bien. Lui ensuite il est là. Ah bah au final ouais, je vais quand même le laisser tel que je l'avais fait en vrai. Et une fois que j'ai la poudre, je l'envoie là. Ok. Et toi ? J'en mets 3. Et ça, ça va aller dans ce drawer là.
Un Undershare sur la reverse de fer serait pas plus simple. J'ai pas compris, Datch. Ah, Stardust, c'est ok. Ça, on peut l'enlever, ça, on peut enlever. Glowstone, on peut enlever. Donc là, Redstone. Il va falloir qu'on automatise le Radiant Dust. Donc là, il va falloir qu'on crush ce qu'on récupère là-bas. Et si je suis la façon dont je fais les choses, il faudrait que je mette un autre... Il faudrait que je mette un Ender Chest là par contre. Parce que l'Ender Chest va récupérer ça pour le crocher, pour le dropper. Yes. Je vais regarder si là-bas ça drop. Nope. Nope. Je vais garder le blanc en vrai. C'est blanc ça. Ah oui, c'est des petits under chests. Au lieu de refaire un setup pour le faire, prendre dans ton premier build t'aurait peut-être permis de faire un build de la même taille que les autres. Peut-être Datch, mais je voulais pas reprendre en fin de compte le premier setup. Je vais avoir un stock de fer pour mes crafts. Et un stock en fin de compte de ça pour éviter de reprendre dans le fer là-bas. Là, avoir deux setups de fer, je suis sûr d'en avoir. Donc ça. Bah, ça va être pareil. Il faut que je refasse une anvil par contre. Bonsoir Grant. Faut que j'en fasse des drawers par contre. Hein. Là, ça me fera redstone, mais il me refaut, comme je le disais, drawer. Est-ce qu'il me reste des blocs comme ça? Non. C'est pénible quand tu fais un shift clic droit et que ça te le casse ton truc. Je vais en avoir plein de ça, hein, c'est sûr. Alors c'est pas ça que je voulais faire. Pardonne-moi tout ça. Voilà. J'ai plus de sooty marble. Je vais pas stocker ailleurs. Hein. Non, on est d'accord, j'en ai plus. Donc, charcoal. Avec ça. Ah bah ils étaient tous là, mes sous marble, ok. Ok, ok. Et du coup, les drawers que je veux. C'est chest avec des sticks. Hein. Ouais. Ah, on est bien.
le papier. Et maintenant, on va pouvoir farmer la redstone. Non, j'ai plus de collector. Que j'ai un hopper qui traîne. Non hein. Oula. Et des perles. Ça me semble bien. Forge redstone. On va claquer les derniers. 17. On va s'en faire un quart de stack. 16, c'est bien. Et c'est glowstone après qu'il me faut. Voilà, 16. Allez, go. Drop-moi tout ça. Redstone automatisé. D'ailleurs, il y a des chances que lui, il faut que je lui mette un Void Upgrade, même si le Creative, j'en ai pour un moment. Oh, tu me diras non, je pense que ce sera bon. Lui, quand on l'accélérera, il ira beaucoup plus vite. Parce que pour l'instant, il va pas assez vite. Moi, on l'accélérera pour que le fer qu'on farme ici farme pas pour rien. Là, c'est pareil, hein, c'est pas ultra speed. En tout cas, redstone, c'est good. Oh, doucement la caméra, là. Pas mal de matos. Donc là, maintenant, si je veux pouvoir me faire ça, il faut qu'on se refasse les radiants résonateurs. On va se refaire le même setup qu'on a ici. Là-bas, je pense. Encore une fois, ça. On en farme plus vite qu'on en craft. Là, à l'heure actuelle. Je sais pas combien de temps il met d'ailleurs. Ouais. Il met 2 secondes 50. Bon, on va dire 3 secondes. Ça veut dire que j'en farme 3 pour 1 là-dedans. Mais plus tard, quand on aura des gros speed upgrades, ce sera plus le cas. Donc autant se préparer et faire l'autre setup là-bas. Vider un peu le bordel qu'on a sur soi. Mets ça là-dedans. Donc les crafts sont ici. Hein. Il me refaut des iron bars. C'est peut-être un poil beaucoup. Ouais, si je fais ça, il devrait aller les récupérer. Ça. Et toi là-bas. Il devrait les récupérer aussi. Et ça. Et toi là, il devrait les récupérer également. Il n'y a plus qu'à les donner en fin de compte. Bucket de flotte. Thank you.
que tu conseillerais ce modpack pour découvrir l'Astral? En vrai, ouais. Après, le truc, c'est que la progression d'Astral a été coupée. C'est-à-dire que tu débloques tout Astral au début. T'as pas les recherches de constellations, etc. Donc, si tu veux découvrir comment fonctionne Astral, c'est peut-être pas le meilleur des modpacks. Tu connais un peu Astral, par contre, ouais, c'est un plaisir. Et si je t'accélérais un chouï, toi? Voilà, alors ça va mieux, là. Faire un truc pas rapide, ouais, c'est clairement cool. Hein. Clairement cool. Que là c'est bon hein. On va en avoir plus qu'il n'en faut. Faut tout ça pour faire l'autre setup. Je regarde à partir d'où je l'ai fait. 1, 2, c'est à partir du troisième. Là. C'est ça. Je peux avoir que 128 radios résonateurs. Chiant. Ça veut dire qu'on va devoir en prendre deux d'ici. Prendre celui-là et celui-là. On aura deux trous, mais tant pis, hein. Bon bah yes, hein. J'ai pas besoin d'avoir tout ça, du coup. Je savais pas qu'il y avait une limite. Ça, du coup, définitivement, on en a plus besoin, hein. Aïe. Ah là, ça me... Je suis triste. Ils sont 28 tout court. Ils font partie de mon network. Les blocs que je pose, c'est mes blocs à moi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors. Je pense que là on prend tout, ouais, on prend tout. Okay.
Là, du coup, je vais re-extraire dans un drawer qui va rebalancer là-dedans. Non, je vais directement les transformer, ceux-là. Parce que là, je vais avoir besoin... Alors, la poudre, on n'en a plus besoin. C'est fini, ça. Ces trucs-là, on en aura besoin pour du quartz éventuellement de temps en temps. Mais sinon, là, on va avoir besoin de faire ça. Donc là, je vais directement les transfo. On a nos blocs. Et les blocs, faut les crush pour avoir ça. Alors oui, ça va plus vite d'en envoyer deux pour en avoir un là. Et le but, c'est d'automatiser, donc... Voilà. Et une fois qu'on a le cut, c'est là où il y a un problème, c'est que il en faut 9 pour faire le bloc, et il en faudrait pour le prismarine. Et prismarine, je vais en avoir besoin pour ça, pour le lapis, et pour du coup le diamant. Ou alors... On se fait tout de suite le rituel pour farmer les minerais. Si on se fait le rituel tout de suite pour farmer les minerais, on devrait pas avoir de problème pour le diamant, le lapis. Je peux peut-être directement garder le bloc. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc il va me falloir des crafters. Ok. Tu me diras, pour la redstone et pour le reste, ça aurait été pareil, hein, mais bon. Marble. J'en ai que deux. Yes. On va refaire, hein. Nice. Et du coup, cette table de craft là. Faut que je lui donne ça après. J'en ai 5. En vrai, 5 c'est pas mal. Voilà. Ce sera pas mal avec 20 crafters. Il me faut un crusher. Avec ça. Peut-être me mettre là, ouais. Sur le côté. Une fois qu'on a ça, tu fais les blocs. Et les blocs, on va les mettre dans un drawer. Voilà. Donc ces blocs-là sont automatisés maintenant. On est d'accord, on n'a pas vraiment d'autre moyen de le faire. Après, je pourrais faire un rituel pour accélérer le temps et accélérer cette partie-là. Et du coup, accélérer le miner ici. Ça peut être une idée. Le seul problème avec ce rituel-là, le problème d'accélérer le temps, c'est qu'il va falloir qu'on trouve Horologium. Et ici, là-haut, bah là, il n'y a pas. Il y a Mineralis, donc on va en profiter. Mes relais sont là. Mineralis. Ok.
Ça c'est bon, donc on a nos gros cristaux là. Alors on va en binder un. Voilà. Et lui... Ouais bah lui c'est pareil en fait. Parce qu'en fait je vais faire... Astral, vas-y. Astral. Je vais faire le collector. En minéralis. Pas obligé de le faire en minéralis, mais je vais le faire en minéralis. Et lui ça va être pour le rituel. Et comme dit pour le rituel, il faut qu'on le passe sur un autre aussi. Tiens. Je réfléchis. Je vais me binder à une autre étoile après. On dit Cydia. Non, je me suis pas bind moi. Je sais pas vraiment sur quoi me bind en vrai. Mal visé ou il en manque un? Ah c'est juste qu'il n'y a pas Dissidia dans le celle-ci, je crois que c'est ça Dissidia, non? Non c'est pas ça, rien à voir. Non il n'y a pas Dissidia dans le ciel, c'est pour ça que je l'ai pas. Ok, bon c'est pas grave. Si je vais peut-être avoir besoin de Silk Touch à un moment. C'est quelle constellation Silk Touch? Vicieux, ça me permettrait d'aller plus vite. Bon, toujours vicieux. Ah oui, ouais, le max riche, c'est vrai que c'est pas mal. Minéralis, c'est fortune. Hein. Fortune, ça n'intéresse pas. Sport religium. Ah, c'est ça. C'est boots, du coup. C'est boots. Ok. Ouais non mais Boots en fait j'ai pas besoin de le faire comme ça. Boots pour les bouquins Silk Touch ça va être dans la table ici là ça. Et ça faut juste que je récupère le Boots. Donc on s'en fout. Bon je sais que c'est Boots là dedans qu'il nous faudra pour Silk Touch si je veux récupérer les minerais. Sinon je peux les récupérer en fortune aussi avec Mineralis. On verra. Non Boots en fait ça m'intéresse pas. Vicio, on va prendre Vicio. Et bien, lui est posé. Ah, il va faire nuit. Enfin, il va faire jour, pardon. N'importe quoi, moi. Ok, donc ces deux-là, si je veux le transfo, ça va être Resonating Gem. C'est 4, hein. Quatre avec ça, ça.
4 Illumination Powder, je devrais avoir. Yes. Du coup, ça. Ok, Mineralis. Et celui-là pour lui, lui surtout pas, parce qu'on le garde. On va avoir l'autre. Quel autre déjà? C'est Ulteria. J'ai pas Ulteria ce soir. Ok, donc ça va être le cristal qui va apporter de la puissance à mon Atune Celestial Cristal, donc à mon rituel que je ferai. Là-bas, ça se passe. Yes. On va s'attuner. C'est beau. C'est joli. Ah, cette animation, elle est classe. Hein. Bonsoir, Fridiane. Classe, mais longue. Hein. Je les range, ces underperles. Je vais faire les 4, là. Et je vais en garder un pour Horologium, après. Ça me va. Vicio, ce sera quelle couleur? Du coup, ce seront des constellations bleues. Oh, tu sais quoi? Non. Rends-moi ça, toi. On va s'en faire un de chaque couleur parce que je suis un kikoulol. On va prendre Dissidia qui sera de couleur rouge. Alors quand je parle de couleur, c'est en fait, si vous voulez, les Celestioles, une fois qu'ils sont faits et qu'ils seront posés, avec un multibloc structure, on va pouvoir rendre les cristaux très efficaces. Et en fin de compte, ce multibloc structure va émettre plein de petites particules comme ça de la couleur de la constellation. Et là, Dissidia, comme on peut le voir, la petite barre ici, elle est rouge. Bah, on aura de la couleur rouge. Et on a fait juste avant Vicio. Ça va être apparemment bleu. On peut se faire bah, Evitas pour avoir du vert. Allez. Monsieur Chibi. Bonjour à vous. Nice. Vicio, non, c'est bleu. Attends. Regarde. Vicio, il est là. C'est un... On va dire un cyan. Ça, c'est vert. Le Evitas, c'est vert sûr et certain. Mais ça, le Vicio, du coup, c'est un cyan. Et du coup, l'autre... Lucerna. Lucerna, elle est comment déjà? Bah, elle est pas là ce soir.
Ouais, les deux à côté, on voit un peu la diff, ouais. Allez. Il en faut... 16. Oh ouais, je vais... Bah, de toute façon, c'est ce que je vais faire, hein. Pour choper Horologium, parce que là, après, pour choper le dernier que je veux, c'est-à-dire Lucerna, celui qui va m'intéresser, c'est Horologium. Et une fois que j'ai Horologium, le reste, Osef. Et à ce moment-là, ouais, je me servirai de ma montre magique pour passer le temps. Jour. Et nuit. Alors on a quoi dans le ciel? Il faut que j'ai celui-ci. Il faut que j'ai celui-ci. J'ai Lucerna, elle est là. Nice. Ça, on range et après ce sera Horologium qui est violet. Oh, je l'ai celui-là. C'est celui-là que je veux, hein. Yes. Ultaria. Ok. D'abord chercher Ultaria. Ultaria, très bien. Ok, donc là on a... 4 Celestial Crystal. Enlever ça. C'est le vrai pit. Et je vais rejeter mon Mineralis. Je peux skip mes journées de taf avec cette montre magique. Le problème c'est que la montre magique, si elle fait skipper ta journée de taf, ça fait skipper ton salaire aussi. C'est l'inconvénient. Si on pouvait skipper les journées de taf et pas skipper le salaire, on serait tous bien. Je crois que personne bosserait. Voilà. Tune to Mineralis, Tray of Ultaria. Et je me demande même si je peux mettre l'Ultaria sur l'Horologium. Je suis pas sûr, mais je me demande si je peux faire ça. Alors, où est-ce que j'ai mis mon setup pour passer le temps? Il est là. Y a-t-il l'Horologium dans l'eau? C'est un nom. Il n'y a pas Horologium. Donc là, on va chercher Horologium maintenant. Ça s'appelle l'arrêt maladie. Ça s'appelle l'alcool, je crois. Putain. C'est pas possible. Alice. Nope. Beaucoup de constellations ce soir, mais pas celle que je veux.
Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui compensent l'arrêt maladie, hein. Parce que pour une boîte, un... Alors ça dépend comment il est ton arrêt de travail, mais pour accident de travail, la boîte, ça paye bien cher. Et toujours pas. Mais arrêt maladie, c'est... C'est relou pour l'entreprise. Et que dalle ce soir. Toi, Eryx. Merci pour tes streams. Et merci, Oshuring, pour le 7e mois Prime. Merci à toi. Quand je bossais en resto, j'étais assez peu souvent sobre. Je voyais pas journée, c'était le pied. D'accord. Voyons. Je vois que j'ai jamais bossé en restauration. Même restauration rapide, hein. À une époque j'avais postulé pour bosser à McDo, hein, parce que j'avais besoin d'un peu de sous. Et même McDo m'ont dit non. McDo, elle m'a vu, il a fait comme ça. On vous rappellera, hein. Ouais. Bon, jamais rappelé les bâtards. Et finalement, c'est pas plus mal, hein. Allez, Horologium! Non, il n'y a pas. Une chose que je peux faire tout de suite maintenant, comme ça on gagnera du temps, c'est l'installer là, Horologium tout de suite. Donc ça, on va mettre de côté. Faudra les transfo. Et là-dedans, il y a un Horologium là. Ah ouais, mais il va m'en falloir un autre de 100% pour booster mon Horologium. J'ai oublié ça. Ils sont tous split, hein. Ils sont tous split, ok. On va d'abord en monter un à fond. Ça, c'est pour mon horologium, ok. Bien visé, chef. Voilà. Pas grossir, toi. Le backseat, c'était à bout. On en vient tous à bout. Non, le backseat, t'en viendras jamais à bout, mec. Hein. C'est comme malheureusement le racisme et toutes ces conneries, t'auras toujours des cons dans le monde. Hein. Ah, je dis pas que les gens qui backseat, c'est des cons, attention, je me suis très mal exprimé. Bien que parfois, des fois, je me pose la question. S'il y en a qui ne le font pas exprès. Mais le backseat, en fonction de la mentalité de certaines personnes, en règle générale, on va dire à 80% du temps, c'est juste des personnes qui veulent te donner un coup de main et qui ne comprennent pas qu'au final... Ça les embête plutôt qu'autre chose de recevoir ce genre d'infos. J'ai même pas vu ton message, Limul, donc tu sais, je peux même pas juger. Hein. C'est Chibi qui a dit... Nope. C'est Chibi qui a tout enlevé. Bien sûr qu'il sait. De quoi qu'il sait? Bah attends, je vais voir son message, qu'est-ce qu'il dit? T'attends une éclipse pour Horologium? Mais l'éclipse, je vais pas avoir le temps de la voir puisque je passe le jour instant. Tiens. Avoir besoin de ça pour l'instant. Glowstone. Quel plaisir, 1200 de glowstone.
On est là-dessus. Alors ça, on avait dit non. Ça, tu me le gardes. Là, on va se faire le petit vicio. Et pas le petit vicieux comme Chibi. C'est pas le même énergumène. Ok, j'aurais peut-être dû en prendre plus. Parce que ouais, au final, je vais en faire 5. Donc, faut que j'en fasse 4 de plus. Ah! Je suis tombé. Attaque gratuite. Je te demande compensation. J'ai vidé mes poches. J'ai plus rien. T'es payé double aujourd'hui. Emel est de bonne humeur. Ouais, ça va. Arranger ça. Reste là, toi. Toi, t'as pas explosé, hein. Nope. Par contre, t'es loin d'être gros, hein. Pas comme on veut. Le son a du mal, mais non. C'est dans la tête, ça. Et d'ailleurs, est-ce que ça émet les particules ici ou pas? Ça doit les émettre, les particules. Pas du tout. It's a star. Je suis une star. Ok. Lucerna, Dissidia, Aevitas, Vicio. Ça, on le garde. Du coup, on va camper un petit peu à côté. Et en attendant, on a 10 points à se donner dans les perks. Increase movement speed. Increase movement speed. Increase movement speed plus added dodge chance. Efficaciousness. Movement speed, movement speed. On descend où, ça? Ça va où, ça? Attack speed, on s'en fout. On a les reach à gauche. Je vais prendre les reach en vrai. Alors, je vais d'abord augmenter... Ah bah j'ai plus de points. Si ça y est. Si c'est bon. Augmenter l'efficacité des perks. 10% reach. 15% increase life recovery. Ça va vachement me servir ça. Stepping up simple block seems way easier. Oh ça c'est bon ça. Finalement, je pensais être une star, mais je suis pas une star. Quoi? Key perks active. Quoi? Bah, je sais pas. Bah écoutez, tant pis. C'est pas une éclipse, chef. On n'aura pas Horologium. Aïe. C'est parce que c'est dans un rond, d'accord. Salut Yuki-sama. Pourquoi grâce à toi j'ai découvert Oli et je bois 3 litres d'eau par jour maintenant. Avant c'est un verre max. Sérieux? Fais gaffe hein, parce que trop boire c'est pas bon non plus hein. Oh d'ailleurs, on me donne pas d'informations.
Mais il va y avoir des nouveaux parfums. Je vous dis pas dans quelle gamme, je vous dis pas dans combien de temps. Parce que d'une, je sais pas dans combien de temps. Je sais la gamme. Oh. C'est dégueulasse ce que tu viens de m'envoyer, Chibi. J'ai gagné des points. J'ai 2 points available. Mouvement speed, mouvement speed. Bitch. Ça c'est pour me TP ailleurs ça, s'en fout. Plant around you, grow faster. Ça peut être bien ça en vrai. Si je veux farmer des trucs un peu plus rapidement. Quand tu me diras, on aura automatisé les slime balls après. Enfin les slime balls et snowballs pardon. On va mettre du mouvement speed hein, allez hop. On se déplace un peu plus vite. C'est des noms de groupes de métal. Ouais, bah j'ai vu. Ça reste dégueulasse. J'ai bien avancé sur le pack. Ouais, ça va. On avance bien sur le pack. Il va y avoir des... Non, pas constellation. Des structures à poser. Je crois que c'est dans constellation justement qu'il faut regarder ça. Yes, ça va être là. Et ça, c'est cette structure-là qu'il va falloir qu'on fasse après. Et cette structure-là, ça va augmenter la puissance du cristal et on va avoir des petites particules en fonction du la constellation. Donc là, on va avoir plusieurs couleurs. Et en fait, ça, je vais m'en servir pour pouvoir faire des transformations. Donc par exemple, l'End Stone qu'on va avoir besoin. Alors l'End Stone, il y a un espace, voilà. Ça va être obligatoirement une transformation comme ça. On ne peut pas la passer dans une machine, il faudra faire de la Sandstone. Donc du coup, il faudra qu'on farm le sable et donc de grinder le marble. Quoi toi? Oh, pas bon hein. Ah peut-être d'abord... Est-ce que c'est crafté ça? Alors ça apparemment il faut que je m'en fasse un blanc. J'ai pas forcément envie de m'en faire un blanc mais il en veut un blanc donc on en fera un blanc. Faut qu'on fasse des lenses aussi. On va peut-être essayer de faire des gros cristaux blancs du coup. Glace et glace. De la glace et de la glace. J'ai de la glace et j'ai de la glace. C'est bon. 80%, c'est beau. Je suis pas sûr qu'on arrive à tomber sur du 100%. Hein. Direct comme ça. Ça du coup je vais l'envoyer là. Il va se splitter tout seul. Je vois pas bon ça. Pourquoi est-ce qu'il va falloir qu'on fasse avant de faire ça? Ce sera... Bah c'est pas ici. C'est ça en fait hein. Ça, ritual pedestal. On fasse ce craft là, je crois pas l'avoir fait. Hein. Non, je l'avais pas fait. J'ai 666 subs, absolument. Rebonsoir, Clémotech. Alors, donc on va chercher du marbre. Là. Et on en veut 2 ça, max. Quatre piliers. Et enfin 2 chisels. Bucket, rock cristal, on s'en fout. Tiens, tiens. Et or.
À l'aide. On Brist, il est là. Lui, il a regardé Beetlejuice. Déménager, changer de taf. Eh ben, yon. Que de changements. Ok, on est parti pour faire ça. Et on va les mettre dans les coins, ça. Et ça, je pense que je vais les surélever. Ouais. Ratez ça. Qu'est-ce que j'ai foutu? À l'aide. Le pop. Je vais appeler la protection juridique contre mon ancien proprio. Ah d'accord. Mais il y a eu quoi dans ton appart là? Ah, pas ici hein. Ouais, c'est bien ça. Je sais pas, dealer de paprika. J'ai pas regardé. On est bien là. Ouais, les deux rituels ici. On pourra peut-être même tenter d'en mettre un troisième là. Si on veut décaler des trucs, on pourrait peut-être décaler certaines choses. Pour pouvoir mettre 5 rituels. Mais bon là, en vérité, j'en ai juste besoin de 2 pour le moment. Presque hein. Ça veut pas ça hein. Oh, le Rich. Le Rich est là. Le Rich est présent. Là au milieu. C'est bien lui, hein. Yes. Ok, donc ici, on va mettre Mineralis Ulteria. Voilà. Et je vais juste avoir besoin de faire, du coup, probablement dans le coin, là, l'autre structure que je vous ai montrée. Celle-là. Ça va aller dans le coin à partir d'ici, je pense. Pour envoyer l'énergie là-dedans. En gros, j'ai encore le mois d'août en préavis. Et là, l'appartement est infesté de puces de plancher. Il met ça sur ma faute. Et le pire, c'est qu'il est venu inspecter tout l'appartement sans prévenir ni avoir mon accord. Il gueule pour l'état de l'appart. Alors que c'est encore chez moi, donc il y a violation de domicile. Effectivement.
Effectivement, il y en a qui ont des problèmes. Pas bon. Ok, il est à 400, lui, il va pouvoir éclater. Quand il éclate là, normalement, on est censé en avoir un plus puissant que 80%. Mais ça va être long parce qu'il en faut un de 100%. Donc la structure ici, ça va être du marbre comme ça, 3. On va reprendre de ça. On va avoir besoin de ça. Moitié-moitié. Une moitié de lui. Une autre moitié de lui. Non, fais pas ça. Yes. Celui du milieu, c'est celui qu'il y a dans les coins. Un pilier. Ok. Un pilier, ça va être lui. Hein. T'as fini de poser tes blocs comme ça, là? Ça va aller. Hein. Ok. Alors, je le mets pile poil devant, en vrai. Je vais peut-être le mettre là. Hein. Pas repris ça. Donc là, c'est le minéralis. On le pose là. Je me suis trompé dans la structure. Ah oui, j'ai oublié le pilier ici. Ah ouais, non, j'ai fait n'importe nawak. Hein. Allô? C'est zéro ça, monsieur. Voilà. Donc là, on a les petites particules marron orangées. Parce que... voilà, minéralis, il est marron-orangé, quoi. Donc, c'est des petites particules comme ça qu'on aura. Et là, le linking tool. Clic droit. Clic droit. On a le laser, boum. Et là, en fin de compte, lui, il reflète son laser ici. C'est là qu'on va devoir installer des lens. Donc, ces trucs-là. Mais pour faire ces lens-là, j'aimerais avoir des lens ultra puissantes. Et donc, crafter des lens avec cela. Mais plus fort là, il est à 83%, donc on va avancer celui-là. Bon, ça risque de prendre vraiment beaucoup de temps, malheureusement. Bah, oh, par contre, faut pas qu'il se split, lui. Hein. Fuck! Et voilà, j'ai été déconcentré, et puis voilà. Et voilà. Feyesh! Ah, c'est pour ça qu'il disait Shailin's name. J'avoue que j'ai pas du tout suivi la NXT. Hein. Voilà, il a plein de défauts l'appartement, mais c'est beaucoup de négligence de sa part. Pas que de moi, donc je vais prendre connaissance de mes droits et lui en faire bouffer. Well, let's go, hein. Si t'es dans tes droits, à part ton temps, tu perdras rien. Tu gagneras peut-être même quelque chose. Ok. Donc lui, ce sera pour le rituel minéralis, hein. Salut Néo.
Je mets 525 euros de caution aussi. Bah ça, tu te débrouilles avec lui, hein. Par contre, c'est moi ou... Y a un problème là. Hein. Tu sais pas compter? Mais hé! Hey. Je vais les mettre ailleurs. Je vais les mettre ailleurs ces trucs-là. Finalement, je vais prendre les deux autres branches de l'étoile pour mettre deux autres rituels. Pour faire des transformations. Medera, que son seul truc était de me donner du produit en mode démerde-toi. Qu'il était infesté de puces alors que j'ai des enfants et que j'ai fait toutes les réparations de ma poche, facture à l'appui parce qu'il ne voulait pas faire venir de pro. Oui bah t'as tout ce qu'il faut pour l'envoyer au trou. C'est vrai que je pourrais faire un 8x8 maintenant, hein. Et avec les sous apéro. Ah bah j'espère bien. Tiens d'ailleurs. Qu'y a-t-il ce soir? Y a pas grand chose, hein. Y a pas grand chose. On va prendre... ça. Parce que là-bas ça manque un poil de lumière. Voilà, ça fait plus classe. Ça fait carrément plus classe. Ça dérange pas ça sur les côtés parce que ça fait pas partie de la structure. Ah, j'ai plus de piliers. Ok, donc du coup, on va mettre ça ici maintenant. Donc ça fait 8 par 8, hein, donc ce sera pas centré par rapport à ça. Je vais peut-être le mettre plus sur le côté là du coup. Ouais, avec ça c'est chiant, je vais plus le mettre par là-bas du coup.
Peut-être le décaler encore d'un. Ah nice, Ambrist. Oh, doucement. Il n'y a rien d'intéressant. Regardons ce qui se passe là-bas. Encore. Hein. Lui, c'est split. 92%. On s'approche du 100%. Doucement, mais sûrement. Est-ce que je décale ça d'un cran encore ou pas? Non, je vais le laisser là. Je vais le laisser là parce qu'on va avoir le miner, je pense, là. Avec le porcupine ici. Le miner qui va directement crafter le nécessaire là. Faut que je récupère des blocs d'ailleurs. Juste ça au moins. Voilà. Il fera le bloc. Le bloc. Tu le décales dans le crusher. Non, le crusher, faut le mettre là-haut, en fait. Tu le mets sur le crusher. Et du crusher, tu le remets dans un crafter. Voilà, comment j'ai connecté ça, moi? J'avais fait comment? Bah non, j'ai pas besoin. Juste besoin de mettre ça ici. Comme ça. Le bloc, il est envoyé là. Et ça, du coup, après, derrière, tu me fais ça. Et dès que t'as les... dès que t'as le nécessaire là, ce sera bon. Et ça s'enverra là-dedans. Ok, c'est bon. Tu tires des palettes de Freebox? Comment ça, tu tires des palettes de Freebox? Eh bien, écoute, bonne nuit. Je fais ma nuit dans une boîte de recondition de Freebox. Ok. Bah, tu me raconteras tout ça parce que moi je pensais que t'étais encore à Burger King. Hein. On y est presque ici. Ah ouais, mais ça après c'est le problème de travailler avec des débiles hein. Et plus de vie? Ah bah Burger King, ouais, c'est pas... c'est pas dingo, hein.
Je suis pas satisfait du positionnement de ce truc-là en vrai, hein. J'aime pas le fait qu'il soit ici comme ça. Je vais peut-être le refaire en long comme j'avais fait. Plutôt que d'avoir un carré. Parce que le carré, il faudrait que je le mette ailleurs et puis il rentre nulle part le carré actuellement. Bon, en attendant, je vais essayer de rester un peu à côté là. J'ai pas envie que lui se resplit encore. Ça m'embêterait. Et ensuite, faudra essayer de faire rentrer ça et... Non, juste ça en vrai. Ça, j'ai pas besoin. Juste ça dans les coins, là. Là. Et là. Ça, ça a pas besoin de bouger. Hein. Ça devrait le faire. D'ailleurs, je peux peut-être en mettre un là maintenant. D'ailleurs, lui, il servira peut-être de puissance pour ça. Je sais pas si je serai assez proche, on verra. J'ai plus les blocs qu'il me faut. C'est ceux-là en dessous. Et on va mettre, c'est le Dissidia, je crois, qui est rouge. Yes. Il est full. Full, full, full. Ok, j'ai mes deux maintenant que je vais pouvoir mettre avec Horologium. C'est beau. Tu réduis... Tu peux réduire à 60? Non. Non, 60, on peut pas parce que... On perd en vitesse. Enfin, on suit pas. Le miner suit pas. Dès 12h, 4h du mat. J'ai eu un mois un mec qui a mis sa main dans l'huile. Feu de friteuse. Un client qui a voulu me frapper. Un client qui m'a fait une réclamation parce que mon collègue voulait pas lui. Parce que je cite... Je jouais au rat du silence, il voulait pas perdre, et j'en passe. Cotorep. On est là-dessus. Donc il est trop loin du coup. Hein. Il est trop loin pour se connecter ici. Je pourrais peut-être m'en refaire un au-dessus, là. Qui pointera en dessous. Je pense que si j'en mets un là, ça ira là-dessus. Et lui, je m'en servirai pour des transfos devant. Parce que je me vois pas le réavancer. Enfin, je pourrais le réavancer, en vrai, mais... Je sais pas ce que je mettrais derrière. Oh, si, tu sais quoi, je vais le réavancer, en vrai. Ça se split pas, ça. Bon, bah, en attendant... On va peut-être pouvoir aller chercher Horologium. On va aller chercher Horologium maintenant. Cette fois 9. Ils ont 23 ans. Ah mais tu comprends pas, à 23 ans on n'est pas encore... On n'a pas encore toutes les cellules du cerveau qui se sont développées hein. Il paraît que jusqu'à 3 ans, on n'enregistre rien de ce qu'on fait. Il y en a jusqu'à 23 ans, ils n'enregistrent rien de ce qu'ils font. Faut pas leur en vouloir. Ils sont nés comme ça. Pas d'horlogium. Pas d'éclipse.
sais pas s'ils en feront une série Netflix, hein. Voilà. Ça devrait être pas mal là. On a notre horologium. On posera là-bas. Qui devra accélérer l'éthique de ces structures-là. Hein. Pourquoi ça peut me servir? Quel jour c'est? Vu que je vais plus avoir besoin d'horlogium après. Ça, du coup, je vais pouvoir le remettre là. Ok. Ouais, ça, j'en ai plus besoin. Maintenant, je vais avoir besoin d'un 100% s'il vous plaît. Que 92? Oh, c'est une blague ça. On va essayer de le splitter les deux à 92 là pour voir. Toi, tu vas retourner là-dedans en attendant. Du coup, ça, on avait dit qu'on allait l'avancer histoire de pouvoir lui donner de la puissance à lui. Je récupère des buckets. Je vais voir si je l'avance comme ça, ce sera suffisant ou pas. Est-ce que t'es good? Impeccable. Il est assez proche pour balancer toute la puissance là-dedans. Donc là, on a un altar ultra puissant. On va pouvoir virer ça. On pourra split en plus si on veut la puissance du cristal. Pour faire des crafts avec. Mais tout de suite maintenant, on va peut-être pas avoir besoin de faire des crafts avec. Se mettre par là. À trois blocs, vas-y. Ouais, c'est...
Ouais, c'est du cyan. Du light blue. En couleur. Tu t'es split? Non. Et non. Tu fais 8h, 15h45. T'as zéro pression et tu gères ton organisation avec tous tes week-ends. Oh bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ce genre de taf, faut les garder. Tu te prends pas la tête. Et tant que tu fais ton taf, on t'embête pas. Ouais, puis lui sera jaune. On aura un jaune, un rouge, un cyan, un orange et un violet. Comme dit, on pourra en mettre un cinquième au sommet ici. Mais on va pas le faire. Hein. Pas besoin. Bon alors du coup ça, comment je vais le poser? Déjà ça, la grâce. Je vais peut-être spammer la bonne mille d'ailleurs, vite fait. Peut-être que j'aurais installé mes slime balls là. Ah mais slime ball, à chaque fois je dis ça, mais c'est des... Snow ball. Faut que je farme le snowball, de toute façon pour lui, le Frosty Generator. Donc je vais faire une partie où je farme le snowball et une partie où je transforme le snowball en bonne mille. Et en vrai je vais... Peut-être les enchaîner comme ça. Un pack pour avoir la texture à 1.20. Non, pourquoi? Ça marche bonne nuit, Ambrice. Parce que là, j'ai pas les textures en 1.20 actuellement. Dropper. Je réinstalle ça aussi. Ah, j'ai plus de crusher. Je les ai tous utilisés. Je vais aller vite. Ouais, je vais d'abord réinstaller ce que je voulais. C'est chiant, j'ai pas envie de casser ça, mais tant pis, vas-y. Dans l'occasion de le reposer ailleurs, je sais pas où. Si j'ai réussi à le faire, on le refera. Ok. Ce sera plus un truc comme ça en vrai ce que je vais faire. Je vais plus les poser comme ça. Ouais, les textures d'Astral ont toujours été très jolies. Hein. Speed, hein. Mouvement speed. Maximum life, on s'en fout. Là, on a du reach aussi. Si on veut du reach, faudrait passer par là. Ah, j'ai... ah si, ça y est, j'ai du point. Ok. Donc ouais, on va installer le setup là. Comme ça, ça prend bien l'espace. On fait la même chose ensuite de l'autre côté. On laisse le trou là. Tu me diras le trou, je pourrais peut-être le mettre de ce côté-là. Si je le mets de ce côté-là, le trou.
Moi ouais, non. Je vais le laisser là le trou. Ok, combien? 94. Et toi? 97. Ok, pas mal. Bientôt à 100%. Porcupine qui gère chacun 16 résonateurs. Comme ça, ils font 3 tours à vide avant de casser les cristaux du 4e tour. Il devrait y avoir un retard de 4 secondes à chaque fois. Du 4x4. Je suppose que ça passerait 4x4. 4x4 ou ça. On pourrait passer là. Ouais, 8. Hein. 8, ça fait beaucoup en vrai. Oh, le reach de malade. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, je suis au bord, ça va pas. Je pourrais tout envoyer dans un under chest pour le mettre dans un stockage après. Ouais, c'est ça, 8 groupes de 4 par 4. Non, j'ai pas eu de réponse d'Evolucraft avant de faire mon planning de la semaine. Mais j'ai l'impression que l'organisation d'Evolucraft, c'est un peu le foutoir, quoi. Parce que on m'a répondu. J'ai reposé une question, j'ai toujours pas de réponse. Donc bon. Moi, je vais pas insister, hein. Où est-ce que je pourrais les mettre ces 4? Et bah on continue. Merci BadaxaxOne pour le 29e mois Prime. C'est le bazar, j'ai un pote en super modo là-bas. Ouais, le problème c'est que... Le bazar que ça crée, c'est que ils me doivent des sous en fait. Donc le bazar, il commence à devenir un petit poil important à régler. J'arrive pas à me décider. Où est-ce que je mets ça? Ouais, ils font trop de trucs en même temps, du coup ils s'en sortent pas. Et je suis bien placé pour le savoir, je fais moi-même trop de trucs en même temps et je m'en sors pas. Tu vois, par exemple, la personne qui s'occupe de moi pour Evolucraft, je savais même pas qu'elle était partie en vacances, j'ai attendu une semaine qu'elle me réponde, cette personne. Et du coup, bah forcément, bah, pendant une semaine j'ai pas eu de réponse, c'est pour ça qu'il n'y a pas de stream ce soir. Tout simplement. Si je le mets le 4 à partir de là.
4 ici. 4 là-bas. J'ai encore 6 à poser. Ouais, non, en fait, je vais rester comme ça. Hein. Je vais rester avec les deux lignes sur les côtés. Parce que je vois pas comment je pourrais les poser les 4. Enfin, les 8 x 4. C'était pas con, hein, mais bon. Si j'étais pas limité à 128, on aurait pu faire plus de choses. Tant pis, tant pis, tant pis. Je vais regarder si en même temps, eux se sont split. Nope. Bonne nuit, dealer de paprika. Potentiel prochain stream de Evolucraft, ce sera pas avant le mois de septembre. Si j'ai une réponse d'ici là. Parce que si j'ai pas de réponse d'ici là, bah y en aura plus. Tout simplement. Une limite sur cet item, aucune idée, mais c'est le mode qui doit mettre une limitation parce que je peux pas mettre plus de 2 stacks. Au-delà de 2 stacks, ça passe plus. Ok, bon, on va... Oh, je vais directement poser l'autre en vrai. J'ai oublié de prendre le truc de redstone. D'énergie, pardon. Le centre c'est ici, donc on va se poser là. Porcupine. Le miner into crafter. Bloc. Le bloc, tu vas le balancer dans crafter. Crafter, tu le renvoies dans un... Enfin, dans le crafter, dans le crusher, pardon. Tu le renvoies dans le crafter. Il me fait le bloc. Et enfin, stockage pour lui. Ensuite, lui. Je pense qu'on est bon là. On est bon. On a encore 2 ici. J'espère que je les ai bien posés mes trucs. Ça a l'air de bien se passer. Toi tu vas directement le récupérer une fois que t'as ce qu'il faut. T'es censé l'envoyer là-dedans. T'es bon hein. Ça j'ai dû les récupérer de l'autre setup. Vite. Yes. Yes, yes, yes. On a enfin un 100%. Je vais pouvoir t'enlever du coup parce que 94 ça fera pas grand chose. Ok. Le 100% maintenant, on va le dupliquer. Pour essayer d'en garder un pour nous. Et le reste on l'utilisera pour faire des crafts. Notamment les lens pour qu'on puisse enfin terminer le rituel là-bas.
Faudra qu'on se fasse des encore aussi. Des rituels encore pour qu'on puisse déplacer le rituel où on a envie. Donc le milieu il est là et pour lui ça va être ça comme stockage. Donc j'ai juste vraiment besoin de le mettre au milieu lui hein. Ouais c'est bon ça. Dira je peux prendre du recul hein. Ça changera rien parce qu'il y a toujours ça en gros. There that good. S'il te plaît. On va là-dedans. Et enfin, faut que j'envoie ça dans l'under chest après. Voilà. Ender chest. Ouais, c'était pour faire la redstone. Hein. C'est reparti pour faire la redstone du coup maintenant. Impeccable. Donc là, on est bon. Maintenant qu'on a posé certains rituels, on va pouvoir regarder pour faire des transfos de rituels. Pour enlever tout ça. Ou alors je fais tout de suite mes rituels encore. Ouais, je vais faire tout de suite mes rituels encore, ce sera fait ça au moins. J'en craft deux par craft. Elle a disparu. Glass pane, glass pane. Pas de glass pane. Du sable néanmoins. Du verre ici. Ah, peut-être que j'installe les. Je vais peut-être me mettre des crusheurs pour crusher tout ça et avoir le stockage de tout ça. Sauf lui, on n'en a pas besoin. Mais papier, snowball. Et sable, ça pourrait être bien de les garder. Ou alors, je fais le setup lave. Et Liquid Starlight pour avoir du sable. Peut-être plus rapide. Mon abonnement se renouvelle demain. Bah, demain, je serai là. Ah, si t'as plus un rond, par contre, c'est autre chose. Ami du soir, bonsoir. Ami du soir, Potatoman, bonsoir. Peut-être se refaire le setup avec la lave. La lave, je l'ai gardée là-bas. On a plein de redstone maintenant. Il faudrait que je refasse plus ou moins le même setup de redstone. Pour pouvoir le transformer avec ça. Il se remplit assez bien. Il va pas assez vite, donc ça va. Ouais, je vais refaire un setup là. Pour faire de la Netherrack. Faudra un crafter avec de la glace. Voilà. Et donc, si je veux la Netherrack, ce sera Mechanical Crafter. Qui ira récupérer de la redstone qu'on va recrafter en fait. On va refaire un under chest. Ok, tiens. La glowstone maintenant c'est là-bas. Souti. Et c'est du chisel marble, forcément. Ok, bah j'ai ce qu'il faut. J'en donne 4, en plus c'est le blanc, c'est celui que j'ai besoin. Mettre là. Ça. Et du coup, un autre crusher. Crafter d'autres. Un autre des crusher, parce que bon. Ça manque.
avoir besoin de ça, on va avoir besoin de ça. Je pensais qu'on était mercredi et qu'il n'y avait pas de modpack. J'ai mal pensé. Ah ouais. Bah, je sais qu'il y en a beaucoup du coup qui ont dû se dire la même chose. En mode mercredi c'est Evolucraft, on s'en fout, on vient pas. Je vous en veux pas. Hein. Faites ce que vous voulez. Hein. Vous choisissez ce que vous avez envie de voir, fort heureusement. Mais malheureusement, il y a des problèmes d'orga chez Evolucraft et du coup ils m'ont pas répondu. Sur une question plutôt importante vis-à-vis du fait de continuer ou pas Evolucraft en live. Et donc vu qu'ils m'ont pas répondu, pour le moment je continue pas Evolucraft en live. Quand on m'aura répondu en positif, je pourrais reprendre. Si on me répond en négatif, bah je pourrais pas reprendre. Voilà quoi. Non, c'est pas ça. Du papier, please. C'est splitté. Ah, nice. J'attends qu'il se resplit lui pour... faire grossir un après. On a tout, on devrait avoir tout ce qu'il faut maintenant. Donc. Toi, tu récupères de l'énergie de ce truc-là, là. Si je fais ça... Je récupère aussi de l'énergie ici. Je vais voir si je peux te mettre 3 speed upgrade. J'en ai pile poil 3. Ah oui non, ça va être un poil handicapant pour récupérer la redstone ici. En fait, je vais peut-être devoir me mettre ailleurs. Peut-être mieux. Pour les oracles en tout cas. Là. Fonctionne. C'est lui qui l'envoie, ouais, c'est ça. Ah ouais, j'ai un dropper. Ça va aller... Là. Comment je vais faire ça propre? Peut-être pas là. Final. Peut-être ça comme ça. Comme ça. Ouais, le stockage sera ici, par contre ce sera pas très joli hein. Si je veux que ça fasse non, ça va pas faire sympa comme ça. Pour une solution, il faudrait que mon stockage soit ici de Netherrack. Si je veux mon stockage de Netherrack soit là, il faut impérativement que... Oh, tu me diras, je peux mettre ça sous terre, je suis pas obligé de le voir hein. C'est pas... ça ici, tac, on te donne ça. Tu vas avoir besoin de redstone, c'est justement le filtre qu'on veut là. Et ça, ce filtre là, ouais, il sera pas très joli encore une fois placé hein. Bon, ça je vais le mettre ailleurs alors. Je vais le mettre là. Pas très sexy mais c'est pas grave.
toi. Tac. Tac. Boston, on n'en veut pas. Ok. J'ai ma glace. Nézorak. Allez, fais ma Nézorak. Toi, du coup, ça va se popper là. Nice. Full upgrade, on lock. Tant pis pour ça, c'est pas très grave comme dit. On peut reboucher. Zorak. On n'avait plus du speed upgrade, hein. Non. C'est pas grave. De toute façon, j'ai pas vraiment besoin de speed upgrade. À un moment, la redstone, ça va descendre. Ouais, voilà, ça descend. C'est bon pour le moment. Et ça, on va te le remettre dans l'underchest si on peut. Yep. Voilà. Ensuite, les cristaux. Ça c'est split, très bien. Donc ils sont tous les 200%. Oh lui, il est gros en plus, très bien. On va s'en servir. Ok, 100%. On l'envoie là-dedans. Et on va le faire grossir jusqu'à avoir un cristal vraiment à fond. Et avec ça, on va se faire les lens. Je pensais que j'ai toujours pas fait du sable. Oui, j'avais dit que je mettrais mes crushers. Pourquoi les crushers? Je vais peut-être me faire des speed upgrades du coup. Mine de rien, en même pas une heure, il y en a eu beaucoup de redstone qui ont été farmés. Hein. C'est cool. Clac. Donc là, j'ai tous mes speed upgrades. On va mettre les machines. Peut-être les mettre par là, les machines. Ici. Tac. Je vais mettre les trois là. Je crois que c'est un contrôle clic qu'il faut faire là. Pour que lui il aspire. Pareil contrôle du coup. Et donc là si je vais récupérer droit que j'ai rangé d'ailleurs. Il est où? J'avais fait... Non, je l'ai pas fait ce drawer là. Ok, je le fais alors. Ah, c'est pas un drawer, c'est un barrel. Ok. Si je te donne ça, tu récupères le marbre? Ouais, tu récupères le marbre, ok. On donne ça. On donne ça, ça va alimenter les trois. Et là, on a du sable, du coup, tout le temps. Nice. Du coup, je vais faire pareil pour le bois, pour avoir du papier. Et pareil pour la glace, pour avoir des boules de neige. Et je le fais pas avec le gold, parce que c'est juste pour avoir de la poudre d'or et on n'en a pas besoin. Voilà. Bon, ces trois ressources maintenant tout le temps. Fait plaisir. Le GP, on est bien. Hein. 145 d'utilisé quand je fly sur 560. On a de la marge. J'ai pas dû aspirer le truc. Bientôt à fond, lui. Il a besoin juste de monter à 400. Donc tout va bien. Et là, Evitas, je sais pas si on s'en servira.
Je vais le laisser là pour l'instant. Hein. Du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est refaire la même chose, sauf que là, on ferait Crusher et Furnace pour directement avoir du verre. Je vais utiliser le seul Furnace que j'ai. Voilà. Et... Ouais, je vais le mettre là. Je vais y arriver. Contrôle. Furnace. Voilà. En rêve, ça tient. En rêve, tout ça, ça tient. Parfait. Full. Et voilà, on a tout le temps du verre maintenant. D'ailleurs, finalement, pas grand-chose d'intéressant dans la snapshot. Ah ouais? Bon bah... C'est triste. Il est full, parfait. Alors ça c'est dommage ça. Donc lens, faisons lens. Normalement vu que je vais utiliser un cristal super puissant, alors j'aurais pu utiliser les atunes également ou les célestials pour en avoir encore plus. Mais là avec lui on devrait être pas mal. Et en fait... Plus mon cristal est puissant, plus il va m'en dropper de ça. Je vais en avoir plusieurs. Ok, 4. Et là, il va nous en falloir 2. Ok. Il m'en faut 3. Attunement, c'est gratuit. Tu pourrais le faire aussi. Ouais, c'est vrai. Mais je suis pas sûr que ça change quoi que ce soit sur le... Sur la lens. Peut-être que ça changerait la... le craft de la lens si je lui donnais en fin de compte un célestial puissant. Je crois que j'en ai plus hein. Tout cela les autres, ils sont pas montés. Il va m'en falloir plusieurs des lens. On peut faire le test hein, en vrai. Prendre lui. Lui il est très bien lui. Je vais le mettre ici. Alors le truc c'est qu'il va falloir que je craft avec de l'infuse wood. Hein. Si je veux pouvoir faire ça il va nous falloir... Ah c'est les planches. Ok. Thank you. J'ai pas le marbre nécessaire. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Gold, aquamarine. Yikes. Ça. Range les speed upgrade. Récupère ton aquamarine ici. Lens. Donc je vais récupérer mon size 400, 100% purity, 100% cutting. On a fait 5. Et donc ouais, le size, là, il est pas à fond. Donc je suppose que... On pourra utiliser un gros cristal. À fond. Peut-être pour en avoir plus. On verra. En attendant, on va récupérer du marble pilar. Et on va rediriger les rayons. Probablement d'horologium. Donc lui, en fin de compte, il a un rayon qui part par là. Et en fait, il faut mettre les lenses forcément au-dessus de ces blocs-là.
tu débloques à l'extérieur. Donc il part par là, donc c'est ici qu'il faut le mettre. Clac. Clac. Et il va tirer 5 rayons. Il y en a un autre là. Un autre là. Je pourrais utiliser d'ailleurs le Sooty Marble là pour ces pilars. Ça sera probablement plus classe. Et il y en a un cinquième ou pas? Ah, le cinquième il est là. Ah, par contre, le cinquième il va peut-être poser problème avec lui là. Fait chier. Il est pile poil là où il faut pas, lui. Ok, bon, s'il est pile poil là où il faut pas. C'est-à-dire que ça, il va falloir que je le déplace probablement dans le coin. Mais si je veux le déplacer dans le coin et avoir un semblant de symétrie, il faut que je regarde si lui, je peux le déplacer là-bas. Donc on va reprendre ça. Voir ce qu'il fait de l'autre côté. Ah si, je pourrais mettre une lens intermédiaire, ouais, t'as raison. Une lens qui va tout droit et qui descend peut-être. Ouais, ça ferait bizarre. Je vais d'abord regarder où ça m'emmène ça. Savoir s'il me le met là aussi comme un chacal. Lui me le met là. Ok. On a l'air d'être bon. J'ai pas besoin de mettre plus de lens. Il me le met là, ça veut dire que si lui je le déplace ici, ça devrait le faire. Et donc du coup lui c'est pareil, ça devrait le faire. Ok, je vais les déplacer. Relou mais bon. Je vais remplacer avec ça d'ailleurs. Ah non. Ah non, c'est bien que 8. Ça, ça passera comme ça. Hein. Et là-bas, ouais, ça passera large aussi. Ok, cool. Un peu serré par rapport à ça, mais bon. Et une chose qui est vraiment dommage avec Astral, c'est que on peut pas. Faire les structures avec le Sooty Marble. Tu as toutes les variantes, mais tu peux pas les, faire les structures avec. Ça aurait pu être vachement chouette. Ok, donc ils se connectent. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hein.
À deux blocs, on rajoute ça. Nice. Donc lui il est full. Il n'y aura plus qu'à faire lui full. T'es pas split toi. T'es pas full de toute façon. Moi je crois qu'elle est pas sur les dernières versions. Ouais. Créateur du mode, il a d'autres projets en cours. Il y a peut-être moyen de faire un add-on. Genre, swap Astral Sorcery qui ajoute les structures en inversant le marbre et marbre noir. Peut-être, ouais. Elle travaille sur un portage 1.20. Nice. Parce que je sais que Hellfire bosse énormément pour Vault Hunter. Et il a beaucoup de mods aussi à son actif. Ouais, non, mais s'il le porte pas en 1.20, c'est pas grave, hein. Ça m'étonnerait pas qu'ils bossent dessus pour la 1.20 parce qu'il y en a sûrement beaucoup qui veulent revoir le mode. Alors ce qui est rigolo c'est que vous voyez que eux ils poussent plus vite que là-bas. Parce qu'on est en train de récupérer le rituel d'horologium. Donc lui quand je vais pouvoir le poser là, on va pouvoir... Je pense même que l'Ender Porcupine pourrait être accéléré, je suis pas sûr. Et s'il peut pas être accéléré, l'Ender Porcupine, on en mettra deux du coup. Qui géreront deux parties différentes. On va faire ce craft là en attendant. J'ai tout rangé. Ouais, j'ai tout rangé. Et glace à pain. Ok. Ah si, c'est grave. Comment ça, qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qu'il dit? Faut pas s'énerver comme ça, Alain. Nice. Voilà, pilier noir pour pouvoir remettre les lens. C'est sympa. Dis-moi que tu es full. Ah. Toujours pas, hein. Ça c'est split ici d'ailleurs. Ouh, il est fat lui. On va garder le fat pour plus tard. Donc lui pourra transformer de la stone en minerai maintenant. La seule chose qu'il va falloir qu'on fasse, c'est probablement demain un énorme setup pour pouvoir... Mira, je suis peut-être trop loin là. Si je mets un bloc ici, ça va casser le rituel, ouais. Tu me diras. Je crois qu'il faut le mettre là. On va le rediriger le rituel. Ça va être un cran au-dessus, je crois bien. Non, c'est... Ah, oh, shoot, si, je crois que c'est quand même là. Hein. Merci. Tac. Alors, si je te pose là et que je te clique là.
Ouais, c'est bon, il est envoyé. Advancement made, ah oui. On est bien sur lui, hein. Mineralis Ulteria. Tout est bien renvoyé correctement au bon endroit. Ah, faut sûrement que je descende d'un cran, du coup, il est trop haut. Être ça le problème. Si elle sera, elle est pas mis à jour. Il sera mis à jour. Un jour. Voilà, là il est dans le faisceau lumineux. Donc normalement si je fais ça. Oh. Instant transformation. Regardez-moi ça. Si ça c'est pas pété. Donc voilà comment on va obtenir nos diamants, émeraudes. Là, on a beaucoup de coal, hein. Beaucoup d'or, beaucoup de fer. Ça va être comme ça qu'on va faire. Mais ça, faut qu'on mette un setup qui, du coup, le minera automatiquement. Ah là, c'est les multicolores là, qui me manquaient. Alors, dis-moi que toi, là-bas, t'es bon. Trop chill, là ! C'est trop chill, là ! Et du coup, toi, ouais, toi, t'es bien dans le faisceau. Et on va te poser là. Donc ouais, là, il va nous manquer les lenses pour pouvoir faire en sorte que ça aille plus vite. Et justement, les lenses, j'aimerais les faire avec ça, là. Mais ça veut pas. Ça veut pas. Et ça. Je sais pas si on fait du Silk Touch ou si on fait du Fortune 3 sur les minerais. Quand on va les miner avec le miner. En soi, si on fait du Fortune, on aura directement le diamant, le coal, le lapis et l'émeraude de stocker. Même la redstone. Mais ça changera rien pour le fer et l'or. Les Silk Touch, on stockerait absolument tout. Les minerais au même endroit. Ah, toutes les mêmes tronches de minerais, quoi. On suit le touch. J'arrive pas à m'exprimer, je suis fatigué. C'est bon, c'est full. Bon, lens maintenant. Retournons là-dessus. Il me faut du verre. J'en ai combien maintenant de verre depuis que je l'ai laissé tourner? 420. Pas mal. C'est cool, on a mis pas mal d'automatisation là ce soir. Donc là, il va me refalloir 3. Ok. C'est vrai qu'il y avait le prisme lens aussi. Qui permet de rediriger là où on veut. Aquamarine. Engraved. Et rune. On va voir combien ça va m'en drop du coup. Avec un Celestial Crystal full max. Je dirais 12. Oh, j'étais pas loin, 11. En vrai, je vais pouvoir virer cela pour mettre les autres. Donc là, je vais faire tac, 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 tac. On va rediriger ça ici, ça là, ça là, ça là. Et normalement, on aura toutes les couleurs là.
D'un seul coup. Ok, j'ai apparemment fait de la merde. Voilà. Là, on a toutes les couleurs. Et là, là-bas, ça devrait pousser plus vite. Par contre, lui, il va vraiment pas plus vite, hein. Donc, il faudra qu'on mette plusieurs Ender Porcupine si on veut aller plus vite pour farmer ça. Ouais, pour le coup, Rafa, faut le donner à Modo. Ou alors, si t'es sur le Discord, tu peux le balancer sur le Discord. Modifier ça. On va mettre les lens les plus puissantes. Oh non, pas ça. Voilà. Il a les lens ultra puissantes lui aussi. Eh ben on est bien. On est très bien. T'en es où toi? Bah, je vais te mettre de côté parce que de toute façon, pour le moment, on va peut-être pas s'en resservir avant un moment. On est pas mal là, on aura juste à les monter un peu. Ça va monter aussi. Et yep, on va s'arrêter là pour ce soir. Je l'ai mis sur Discord, nice. Eh ben on a bien avancé. Très content de ce qu'on a fait ce soir. On a installé des cristaux dans les 5 branches de l'étoile. Pour l'instant, il n'y a que le rouge qui alimente la table, plus les deux sur les côtés, évidemment, qui alimentent les rituels qui sont utilisés. Les deux autres, on s'en servira pour faire des transformations, pour faire des autocrafts, encore une fois. Enfin, pour farmer d'autres choses. Mais ouais, on a réinstallé pas mal de petites automatisations qui font bien plaisir. Sur ce, rendez-vous demain 14h pour du Zelda Tears of the Kingdom. Continue de farmer les ressources pour les tuniques, les tenues à fond. C'est chiant. Et demain 21h, la suite de Star Factory. Bye bye.